Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à HeroQuest. Voilà le jeu de Dungeon Crawler sorti en 1989 par MB. J'ai fait une première vidéo de présentation un petit peu du jeu, du matériel, etc. Vite fait. Là, je vais vous parler en fait des extensions qui sont sorties en France. Il y en a eu trois. Alors moi, j'en ai que deux. La troisième, elle est trop compliquée à trouver à un prix raisonnable. Je vais peut-être la fabriquer. Faut juste que je trouve comment imprimer les figurines. Et ensuite, je vous parlerai rapidement de différences entre la version française et la version US. Donc, on commence par les extensions. Donc, il y en a eu trois. Il y a eu Caragvarn, Le Retour du Sorcier, et puis Les Sorciers de Morcar. Alors, Les Sorciers de Morcar, c'est celle que j'ai pas. Donc, on va commencer par celle-là, Caragvarn. Donc en fait, c'est une extension. Donc ça rajoute et ça, des petites règles, pas mal de jetons. Dans l'extension, on va retrouver des figurines de monstres. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est toujours c'est les mêmes monstres que dans la version, dans la boîte originale. Donc on va retrouver les orques. Voilà, les orques. On va retrouver les fémirs. Et on va retrouver également les gobelins. Voilà. Donc le scénario, ça ressemble pas mal au passage de la Moria, là, du Seigneur des Anneaux. C'est un petit peu la même chose. On est chez les nains et donc il va falloir s'échapper du labyrinthe de Caragvarn. Voilà. Donc on retrouve voilà, les monstres, ça va être essentiellement donc du fémir, de l'orque et du gobelin. Donc voilà, y a plusieurs scénarios. Donc contrairement aux autres missions de la quoi s'appelle de la boîte de base. Là, vous voyez, en fait, les aventures se suivent. Voilà. Et donc, en fait, on ne peut pas entre chaque quête acheter des trucs. Il faut faire les quêtes. Les unes à la suite des autres, one shot, on peut pas, y a pas de magasin entre les deux, entre deux missions pour pouvoir acheter des objets. Donc il va y avoir des petits changements qui vont être essentiellement apportés par les jetons et les petits jetons qu'on a là. Donc on va retrouver des portes. Donc en fait, il faut se servir du socle. Des portes de la boîte de base. On va retrouver les petits jetons classiques des éboulements. Donc là, il va y en avoir pas mal. On va avoir des petites trappes. On va également avoir une boule façon Indiana Jones. Donc dans un des scénarios, on rentre dans un couloir. La boule tombe et il faut vite partir avant de se faire écrabouiller. On va retrouver, alors ça c'est pour simuler des escaliers en fait. Ça se voit pas trop, mais du coup là on va pouvoir monter les escaliers. On va retrouver évidemment les pièges. Ça c'est la forge des nains, puisqu'on est dans une cité des nains. On va avoir un brouillard, je crois que c'est le brouillard maléfique dans une des pièces. Il va y avoir, donc ça c'est une corniche, dans un des scénarios, on arrive au bord de la corniche et dès qu'on va commencer à marcher dessus, il va y avoir un événement, il y a un monstre qui va arriver.
Et ensuite, on va avoir donc les quatre morceaux. Donc ça, c'est une carte et donc il y a des missions à faire et en fait, on va trouver petit à petit, voilà, les quatre morceaux de la carte. Hop, voilà. Donc je sais plus dans quelle mission c'est, mais voilà, au fur et à mesure, on va devoir reconstruire cette carte. Donc il y a pas mal de nouvelles missions. Bon, ça reste toujours à peu près. Il n'y a pas de gros changements au niveau des règles. Voilà, citadelle, hop, spoil. Hop, voilà, brouillard, le pic de green. Voilà, donc ça c'est le dernier scénario. Voilà, donc petite extension qui rajoute pas quelques missions qui est plutôt sympa. Alors, on va passer maintenant à la deuxième extension. Donc là, hop, ça va être le retour du sorcier. On va faire un petit peu de place pour pas mélanger. Donc là, pareil, un petit livre de quête. Alors là, pour le coup, ça va être plutôt mort-vivant au niveau des monstres. Donc pareil, dans l'extension, on va retrouver des nouvelles figurines qui vont venir augmenter le nombre de figurines de la boîte de base. Mais c'est pareil, c'est des monstres qu'on connaît déjà. Donc on va avoir du zombie. On va avoir du squelette. Et on va avoir des momies. Comme l'autre extension, au niveau des règles, c'est pareil, ça va être essentiellement des choses qui vont être apportées par les petits jetons. Donc on va avoir par exemple une pièce tournante. Alors du coup, en fait, c'est une pièce, donc il va y avoir quatre portes ici, 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 ici. Et en fait, quand les joueurs vont lancer le dé, ben, du coup, suivant le nombre qu'ils ont fait, il y aura une des portes qui va s'ouvrir. Et puis ça va être la grande salle du sorcier. Alors forcément, normal, ce truc-là, ça va là. Donc quand vous avez le tapis là qui est un petit peu plus gros que le tableau de base, ça le fait pas trop. Mais par contre, si on prend le truc original, voilà. Hop, ça va nickel. Et la pièce tournante, si je me souviens bien, il me semble qu'elle est par là, dans un des scénarios. Ouais, je crois que c'est quelque part par là. Mais bon, vous voyez, en fait, ça transforme un petit peu le tableau. Voilà. Donc après là, il n'y a pas de. On va retrouver des petits jetons. Donc ça va être des tombes avec les quatre monstres qu'il faudra affronter lors des scénarios. On va retrouver les portes secrètes. On va avoir une espèce de brouillard magique là qu'on peut pas attaquer, qui va se déplacer dans un couloir et qui va faire perdre des points de vie. Et donc on trouve toujours, voilà, le petit livret avec quelques petites règles de rajouter à la boîte de base. Mais bon, il n'y a pas de changement fondamental dans le système de jeu. Et voilà, donc là c'est vraiment clairement orienté mort-vivant, zombie, etc. Et voilà, on va retrouver ouais, une dizaine de quêtes. Ouais, voilà. Voilà là. La porte tournante. Donc ça va être là.
Ça va être cette dalle-là qu'on va mettre sur le plateau de jeu. Et on voit, voilà, en fait, en fonction de ce qu'on fait avec les dés, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Voilà, donc chaque fois qu'il y a des petites règles, là par exemple, c'est le brouillard là. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle. Voilà, le brouillard de la mort. Donc, c'est le petit jeton qu'on va placer là et qui va pouvoir se déplacer. Dans le brouillard et nous attaquer. Voilà pour les extensions et donc les sorciers de Morcar. Je l'ai pas. Et puis au prix où elle la trouve, je pense que à part imprimer les cartes et les petits bonhommes, je l'aurai jamais. Pour finir, on va un petit peu s'intéresser à la version US. Alors la version US. Moi, je l'ai imprimé vite fait. Donc, il y a la petite doc comme la version française. Par contre, ce qui a un plus, c'est par exemple ici. Voilà. Il y a la figurine du sorcier du chaos. Donc, qui est celle-là. Qui sert à peu près rien du tout dans la version française. Là, dans la version US, cette figurine, dans certains scénarios, elle a droit à des sorts. Donc là, je les ai imprimés. Voilà, donc elle a droit à un certain nombre de sorts. Donc en fait, suivant le scénario, elle a droit à plusieurs sorts. Et comme le joueur humain, on va pouvoir lancer un sort. Au cours de la partie. Donc au début de chaque scénario, c'est indiqué quels sont les sorts que le sorcier du chaos a dans sa possession et peut jeter. Donc ça rajoute un petit truc qui est plutôt sympa, qui est pas dans la version de base de la version française. C'est un peu dommage parce que du coup ça rajoute quand même un petit truc. Un petit truc sympa là, voilà, Chaos Spell. L'autre changement, c'est par exemple au niveau des monstres. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, en fait. Ce qu'on reproche souvent à HeroQuest, c'est du coup sa facilité. Alors, c'est quand même son côté. C'est l'avantage de pouvoir jouer avec des enfants, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est un peu nul. C'est que, vous voyez, au niveau des monstres, les points de vie, ils ont tous un. Donc, en fait, il suffit de toucher une fois et le monstre, il est mort. Donc, en fait, les combats, bon, du coup, ça simplifie quand même pas mal les choses, mais bon, c'est un petit peu nul. Et donc là, ça, c'est les monstres de la version US. Gargouille, squelette, momie. Et par exemple, si je prends le guerrier du chaos. Alors, il est où le guerrier du chaos? Forcément, c'est le dernier. Vous voyez? Donc, déplacement 6 cases. Lui, il en a 7. Attaque 3D, il en a 4. Défense 4D, c'est pareil. Par contre, ce qui change énormément, c'est ça. Les points de corps. Donc lui, il a 3 points de corps. Donc en fait, les combats sont quand même un peu plus tendus, un peu plus compliqués. Parce qu'il faut le toucher 3 fois pour le tuer. C'est pareil. Alors les zombies, là, ils en ont un. Les gobelins aussi, ils en ont un. L'orc aussi. Voilà, par contre, le finir, lui, il en a 2. La gargouille, elle en a 3. Squelette, 1. Et la momie, 2. Du coup, ça rend les combats un petit peu plus intéressants et un peu plus compliqués. L'autre chose également, c'est que les missions sont sensiblement différentes. Alors, si je prends hop, le livret de quête, on va essayer de regarder. Par exemple celui-là, je crois, c'est Ragnar. Oui, alors, c'est un petit peu différent. Par contre, si vous regardez la version US, vous voyez qu'il y a quand même
beaucoup plus de monstres. Donc là, version française, ressort dans la salle, il n'y a rien. Version US, bah, du coup, ils ont mis un petit décor. Si on regarde ici, vous voyez là, il y a juste un monstre, deux. Là, il y a juste un coffre, trois, quatre. Donc, en fait, rien que dans cet espace-là, on a juste quatre monstres. Regardez ici combien on en a. On en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a même une pièce ici, on ne sait pas trop à quoi elle sert, elle est vide. Alors que ici, il y a un monstre. Donc les missions sont quand même beaucoup plus dures en version US qu'en version française. Donc bon, suivant le public que vous avez, si c'est des enfants, ben, on va plutôt leur faire jouer à la version française. Si c'est des gens qui sont un petit peu plus âgés, on peut les faire jouer éventuellement à la version US parce que du coup il va falloir beaucoup plus synchroniser les actions, avancer doucement pour pas vite se faire exploser, sachant que ben, il y a beaucoup plus de monstres et en plus les monstres ils ont plus de points de vie. Voilà. Ça sera tout pour HeroQuest. Si jamais vous voulez découvrir le jeu, bah, du coup il y a la version, une nouvelle version là, qui va bientôt sortir. Sinon vous pouvez essayer de trouver une version sur Le Bon Coin ou sur eBay. Alors ça coûte pas mal ce jeu-là. Vous pouvez aller sur internet, il y a plein de sites, notamment HeroQuest Revival. Où là il y a pas mal de matos à télécharger, à imprimer, à fabriquer. C'était Gravaillon là, qui faisait ça. Bon, le site est plus 3 jours, mais il y a tout le matos est dispo. Et il a même carrément fait une version V2 d'HeroQuest avec des nouvelles cartes et des nouvelles règles. Un truc beaucoup plus avancé, beaucoup plus moderne. Bon, à vous de voir. Après si c'est pour jouer avec des enfants, les jeux style Descent, etc., ça commence à être un petit peu compliqué. Donc moi, ce que j'aime bien dans HeroQuest, c'est son côté super simple à prendre en main et les règles super faciles. On s'amuse tout de suite avec n'importe qui, il n'y a pas besoin de lire 50 pages. Voilà, c'est ça qui est cool avec ce jeu. Voilà, ça sera la dernière vidéo sur HeroQuest. Ben, on enchaînera bientôt sur pareil un jeu de plateau, la gamme Donjons et Dragons. Allez, à plus! Ciao!